Ah, désolé pour toi, Maz. C'est vrai que la bêta, là, pour se connecter, c'est compliqué. Diopter PVM 200, c'est mieux 11.6 ou 12.6? Style. 12.5 pour les classes mêlées. Classe mêlée, Diopter, 12.5. Hein. Vous en pensez quoi, les gens? Parce que le combo, je le connais pas forcément, mais... Pour moi, il vaut mieux un 12.5 sur un Diopter qu'un 11.6. Hein. Gazeux maté. Question en hélio. En team, le meilleur élément, c'est quoi? Multidocrit. Et si tu dois choisir qu'un élément pour une team, je pense qu'il vaut mieux être hélio feu, quoi. Ça dépend si dans ta team, il y a du support ou pas du tout. Après, hélio feu roxe bien maintenant. Enfin, maintenant. Ça roxe bien tout court, quoi. Par contre, le one-shot du boss T2, ça me choque toujours. Hein. J'ai même un PA de plus. Dinguerie. Ouais, Qtela, en fait, à tout moment, je prends très 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 cher. Dès qu'il y en a un qui tape distance, vu que je suis en dégâts x3 sur moi... Je prends vraiment très cher très vite. Donc là, il a bien gagné 2 PM. Bonjour Aizen, comment tu vas toi? Non, multi, j'ai dit Dallas. Je préfère faire ça et qu'ils aient des bombes à bouffer en fait. Bah en fait non, pas en dessous de 200. En dessous de 200, je dirais qu'il vaut peut-être mieux être R pendant un long moment. Pas mal hein, comme ça, non? Vous en pensez quoi? C'est quoi, selon vous, dans le chat, le meilleur élément pour un Deliotrope dans sa phase leveling? Genre, tous les 50 niveaux, vous joueriez quel élément? J'ai une bombe 15, what the fuck?
et je fais 2 et double strata, j'ai encore blabot. Après, je peux juste blabot sinon. Le sort a pas marché. J'ai fait un sort d'attirance, ça a pas marché. Re-Aizen, re-bienvenue dans la Barbo Family. Mais merci pour ton sub. Bon là, on a du beau là. Là, on a du one shot, là. J'avais ma bombe 15, si je voulais, j'aurais pu la casemate depuis un petit moment, mais j'ai complètement oublié l'existence de ce spell. Après, c'est vrai que j'avais pas la ligne de vue à chaque fois, il me semble. La case matée. La Diago, elle est un peu loin. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça. On parle de la phase leveling, hein, bien sûr. À la limite, je vais mettre une bombe collante. Tant pis. Ça servira. J'aurais dû mettre une bombe collante en vrai. Parce que là, comme ils vont déplacer mes bombes... Oh, ouais, il va peut-être mourir quand même. Ah non. C'est dommage. J'allais dire, c'est dommage pour eux de pas tuer ça. Tac, 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 tac. Coco la coco. Non mais franchement, le fossile, je pensais que ça allait être vraiment plus dur que ça. Je suis outré. Si je pousse à partir de là, en faisant ça, ça... Laquelle qui joue? C'est celle-là? Ouh, ça fera pas assez de dégâts, ça. Ouh là là. Faut que je fasse péter, en vrai. Si, c'est bon. 1490, c'est pas la moitié, 911. Hein. Y a un bug dans la matrice. Ah, c'est pas vraiment la moitié. C'est juste que les dégâts sont basés sur une moitié. Donc c'est pas exactement si tu fais du 2000, si tu vas pas faire du 1000 après, mais... Je fais ça comme ça. Je fais ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Et je viens là. Je peux faire ça. J'ai dit je peux faire ça. Non, je peux pas. Ah. Bah oui, j'ai déjà fait sur moi, je suis con. Merde, mais je suis vraiment trop bête. Qu'est-ce que je suis en train de foutre?
J'ai joué comme un pied là. En fait, ouais, les dégâts de mur pendant le tour roublard, c'est un tel, et les dégâts hors tour roublard, c'est autre chose, quoi. Et du coup, j'avoue que je sais plus. Kaze maté. Je vais là. On va essayer de garder cette bombe en vie. Hein. Je viens de commencer un roublard, je suis bientôt 60 en mono. Vers quelle voie je devrais me diriger en sachant que c'est mon tout premier roublard hein. Et bah moi c'était mon tout premier roublard aussi. Et toute l'aventure Solo Odyssey, c'est justement ça, c'est roublard depuis le début quoi. Et personnellement, gros kiff. Sur la voie R, jusqu'à ce que je découvre Mousquet au niveau 75 et que je joue Terre. Après, en vrai, mon point de vue n'est pas forcément le meilleur. Donc, le seul truc que je peux te dire, c'est fais des tests. Dans le chat. Même question qu'avec l'héliotrope pour le roublard. D'un point de vue, même si vous avez jamais joué roublard, si vous voulez, vous pouvez donner votre point de vue, il n'y a pas de souci. Quel élément dans sa phase leveling tous les 50 niveaux? Sachant que les vrais niveaux de changement de stuff, c'est pas tous les 50, c'est niveau 10, niveau 36, niveau 50, niveau 60, pardon, pas 50, niveau 60, niveau 80, niveau 110, niveau 130 potentiellement, 150, 190, 95 même. Pas réussi à jouer parce que ma souris ne fonctionne plus pour les touches. Ah ouais, non, c'est ma souris troll. Ah, j'ai mes raccourcis souris qui marchent plus. Bah magnifique, je vais devoir jouer clavier. Pas l'habitude. Mais bon, ça remarche. Ma souris a souvent des problèmes, hein. Je pense que je vais la... Je vais lui mettre des front kicks. Ça y est, c'est gagné. Oh, Molwen, what the fuck? Ça fait longtemps, comment tu vas? Roublard mono, c'est chaud. Ouais, jouer un roublard quand t'es sur monocompte, c'est pas forcément la meilleure idée, mais tu kiffes la classe, let's go. Bon, bah, le fossile score tutu, finger in the nose, hein.